Messieurs, dames, bonjour. C'est très très grave ce qui se passe. C'est important. C'est la nouvelle finale des Olympiades, saison 3. On la termine comme on l'a commencé, toi et moi. Les équipes se sont faites la dernière fois avec l'épisode de Justin. Je suis le coach de Ninoul, tu es le coach de Fred. On va garder ces équipes-là, mais c'est eux qui vont faire la plus grosse partie du travail. Aujourd'hui, on va faire un beer pong à 700 gobelets chacun. Là, on est dans notre domaine. Là, on est chez Maison Grise. Ils auront 100 balles chacun pour gagner 1000 balles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le gagnant remporte un chèque cadeau de 1000 euros. On est avant Noël, même si cette vidéo est diffusée après Noël. Ils vont pouvoir en profiter pour Noël. Mais toi, je savais pas, je l'avais pas mis dans le budget, ça. J'ai inventé parce que j'avais oublié d'en parler d'un lot au début et je viens de le décider. Incroyable! Mesdames et messieurs, Ninoul et Frédéric, venez en face de vous, monsieur. Là, c'est un vrai match. Fred a envie d'en découdre parce que ça fait quand même bien sûr, trois fois qu'il est en finale, dont deux fois j'ai battu. Et là, il aimerait peut-être l'emporter. Et moi, je vais le soutenir. Ninoul aura l'avantage du terrain parce qu'elle a été qualifiée en première. Je vous explique les règles. Vous avez derrière vous 700 gobelets de chaque côté. Les gobelets bleus et rouges valent 1 point. Les gobelets jaunes valent 3 points. Pourquoi? Parce que ce sont soit les plus loin, soit les plus vicieux, parce qu'ils sont près du filet. Et si vous tentez de les viser, mais que vous visez un des vôtres, les points vont à l'adversaire. Ah ouais, c'est vice-là. Vous avez 100 balles dans vos gobelets. 100 balles pour gagner 1000 balles, vous avez compris. J'ai compris le jeu de mots. Vous avez 50 tirs solo pour commencer la partie. Ensuite, à partir de 50 tirs jusqu'à 80 tirs, on viendra avec vous faire un tir chacun. Messieurs, dames, je suis très content qu'il y ait une fin en finale. Ouais, c'est cool. Ninoul, l'avantage du terrain. À toi l'honneur. Ninoul, bonne chance, hein, bon courage. Hein. À côté, c'est le match commence. Et ça rentre pour Fred. Quel match, messieurs, dames. C'est quand même fort de rater, là. Ouais, c'est... Je vois pas où il y a le trou, en fait. 2 points pour Fred. Et ça rentre aussi. Premier point pour Ninoul. Quelle émotion. Allez. Pour l'instant, c'est un perfect. Et Ninoul l'a mis aussi. Pour l'instant, ça met des points, c'est facile. Ouais. Ça va être de plus en plus difficile. Oh, juste à côté. Ah, premier échec. Premier raté de Fred. Ninoul peut reprendre l'ascendant psychologique. Oh, attention quand même. Il y a beaucoup de premiers degrés dans cette vidéo, je le sens. Et toujours pas d'articulation. Non. Oh, et ça rentre. C'est pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose de fantastique. Bravo, Fred. Et le public l'a parlé. Oui, il y en a aussi. Quelle égalisation. Chacun. Je sais pas si on peut dire. Oh là là, ça rentre encore pour Fred. Et c'est rentré, malgré Sirmont. Oh, ça rentre. Ninoul qui tire vraiment tout au même endroit. Je crois qu'elle est au max de sa force, en fait. 11-11. Mais ça rentre. Ça rentre, ça rentre. C'est juste, mais ça rentre. C'est bien ce qu'elle fait, assez dommage. Mais c'est bien de prendre des risques comme ça. Mais évidemment que c'est bien. Ça rentre. C'est tout près du trou, là. Il s'est formé un trou. C'est bien. Fred s'est fait un beau trou. Là, et attention de pas se la mettre trop dans le trou. Ouais, c'est classique ça. Et j'aime bien parce qu'il va y avoir un moment où ils vont devoir prendre des risques et éviter. Oh là, il fait dans le dos, il fait dans le dos de l'adversaire, c'est bien. C'est très propre, c'est très très propre. Et c'est rentré. C'est le genre de tir qui rentre encore, mais attention quand il y en aura moins. Et ça rentre aussi. Qui va commencer à prendre des risques sur les gobelets à 3 points? C'est une véritable partie d'échec. Non, évidemment, il y a très peu de rapport. Peu d'intelligence demandée. Voilà. On en parlait. Ouais, il se les mise. Ninoul qui passe devant. Qui n'a pas fait le break, il faudrait que Frédéric rate son tir. Ce serait la première fois. Créer le break. Oui, un peu proche. Ouais. D'ailleurs, je trouve pas mal de pellicules. Oui, ça rentre. Elle peut égaliser. Oh, c'est bon. J'ai besoin d'un code promo maintenant. Maintenant, c'est Olympiade avec un S. C'est pendant 48 heures. C'est 10% sur tout le site Trinochild. Le lien en description. Je vais vous parler de quelques collections d'ailleurs. Il y a évidemment plein de collections sur le site de Trinochild. Et je change de caméra avec le regard, c'est très fort. Il y a la nouvelle collection Batman. Bien sûr, des classiques comme One Piece, Star Wars, la NASA, Paillem Studio. Il y a du Marvel. Et il y a du Marvel, effectivement, il y a du Marvel. 10% de réduction sur tout le site. Je vous rappelle que c'est des coques pour téléphone, mais aussi AirPods, Apple Watch. Et il y a des protections d'écran et des protections d'objectifs, même des câbles. Allez faire un tour. Tout ça est dans la description. Le changement de cam est maîtrisé avec brio. On leur a enlevé un peu de pression. On est à peu près au quart du match. C'est à Frédéric. 3 points. Oh, le jaune en rebond. Qui fait mal. Pas d'émotion au côté de lui. T'inquiète pas, Ninoul, il y aura des coups du sort pour toi aussi. Ouais. Oh, elle vise les jaunes. C'est bien aussi de revenir aux bases, qui sont les gobelets rouges, on le rappelle. Il va falloir qu'elle prenne des risques à un moment, si l'écart se creuse. Pour l'instant, elle est pas loin. Oh, il le refait. Encore 3 points, il a compris qu'il y avait un truc à faire avec ça. Il y a un truc à faire avec le rebond. Alors, c'est intéressant. C'est évidemment une bonne surprise pour Fred. Maintenant, faut pas qu'il se brûle les ailes là-dessus. Non. Reste calme. C'est ce qui te caractérise.
Oh là là, il a tout, il a tout pour lui pour l'instant. Les carrés faits, mais en NBA, on dit toujours, on peut remonter week-end. Week-end, donc déjà, déjà la négation. Raymond. Oh, il est beau. C'est propre ça, Nino. Il est très très beau. Et regardez comme l'émotion transparaît de son visage. Oh, c'est mignon. C'est magnifique. Oh, 3 encore. Incroyable cette remontée. Elle ne parle pas. Incroyable. Pas beaucoup de matière pour nous dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut meubler. Oh, oui. Et retour. 1, 2, 3. Ça rentre dans le bleu. C'est un point. Et c'est un point. Ouais, il va falloir commencer parce qu'on va rentrer sur le terrain dans pas longtemps. Oh, le gaucher. Quelle stratégie Guillaume va utiliser? Est-ce qu'il va aller chercher les 3 points? Je pense que je vais me chauffer d'abord et puis effectivement j'entendrai un ou deux des 3 points. Je verrai aussi avec mon... Ouais, c'est rentré. Aïe, non, ça rentre pas. Ça rentre. Quel sang-froid de la part de Ninoul. Ouais, incroyable. Ninoul là qui est passé à un rythme de cardiaque de 52 à 53. Et un rire. Pardon, Ninoul, c'est rare. 40, il reste 10 tirs avant qu'on rentre sur le terrain. Allez. Le score, je le rappelle, 33 Ninoul, 34 Frédéric. C'est fait. On est en gala, nous, on est en match de gala, nous, tu vois, dans le dos. C'est sympa. Oh là là, c'est risqué ce qu'elle a tenté. Elle aurait pu s'en mettre un à elle-même, ce qui est l'équivalent d'un plus 2 pour Fred. Oh, c'est fait, quelle chance. Et il prend des risques, Fred, là. C'est normal, il tente des 3. Mais il a raison. Il veut essayer de creuser l'écart avant qu'on arrive. C'est très risqué, mais quelle chance! Quelle chance incroyable! Elle joue avec le feu. Ça reste des gobelets en plastique avec de l'eau. On ne jettera pas les gobelets en plastique, évidemment, puisqu'on fait une vidéo sur le net du beer pong. Ne vous inquiétez pas pour les déchets. Oh, c'est dur! Oh, le moins 3. Enfin, le plus 3. Et regardez, il y a un simple sourire qui s'esquisse. Ouais. On n'aura pas mieux, même si elle gagne. On n'aura pas mieux. Ninoul passe devant et crée un mini break. Il fallait que ça arrive. Hein. La meilleure action de Ninoul, c'est pas elle qui l'a faite. C'est ça qu'il faut se dire. Il rattrape son erreur avec brio, 41 partout, égalité parfaite. Le suspense est parfait pour l'instant. Ça rentre. Dernier tir avant qu'on rentre. Ok. Incroyable pour l'instant. Le score est de 43 pour Fred à 42 pour Ninoul. On entre, Guillaume. Oh, elle est là. Allez, Guigui. Allez, hein. Allez, Guigui. Hein. Allez, on va le faire. Allez. Allez, on y va. On va chercher la victoire. Et c'est impressionnant d'ici, hein. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas mal, hein. Je peux avoir une brawl. Merci. C'est impressionnant aussi de près. De côté de Ninoul, là, c'est... Du coup, on va faire une balle chacun, nous deux. Et vous deux, je t'en prie. J'ai envie de voir ton lancer de près. Ouais. Et Fred va dessus après. Ça rentre. Oh, il a failli. Quelle entrée fracassante de pierre, là. J'ai failli faire n'importe quoi d'emblée. T'as peut-être deux coachs. J'ai voulu miser court, mais pas dans mon terrain. Ah non! Allez, allez. Si tu vises trop comme ça, ça peut rebondir et tout. Ouais, et là, il y a trop de trous maintenant. C'est propre, Ninoul. Très propre. Allez, j'arrête de prendre des risques. Je joue ma vie, actuellement. Je sais pas pourquoi. Deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Si on fait deux à chaque fois, ça fait plus deux à chaque fois. Ça fait 4, 6, 8, 10. Non, c'est propre, ce qu'il fait. Ah, 0 sur 2. Ninoul, c'est précis. Il y en a un peu penché. T'inquiète, je vise pas là. Déjà, si j'ai la table... Ça rentre avec pas mal de moulasse. Je commence à être mauvais joueur. Allez, allez, allez Guillaume. Allez, allez. Allez, mon chevreuil. J'ai passé un chevreuil. Oh oui, mais il faut réagir là-dessus. Je suis contente, mais... Come on. Moi, j'ai que 15 tirs, je vais profiter à fond. En fait, tu joues. Je vais jouer à l'envers, je crois. Ça rentre avec agressivité. Si c'est pas maintenant que je le fais, ce sera jamais. Oh non. Oh, il saoule. Oh, c'est à côté de la table. C'est peut-être, ça va peut-être jouer comme ça. Allez, j'arrête de prendre des... C'est bien pour la vidéo, oui. Pour le rythme et tout, c'est bien. Ouais. Oh non. J'ai toujours un meilleur pourcentage que Guigui, même à l'envers. Hein. C'est vrai. Alors, sur 3, c'est quand même pas terrible. Hein. Allez, Nins. C'est propre. Putain, rentre, hein. Ninoul, elle est solide, là. Allez, je le tente un peu là-bas. Oh là là, c'est fou de rater à table. Pardon, Ninoul. Okay. Tu sais, moi, j'ai pas d'expérience en Olympiade. Hein. J'ai fait une vidéo hein, sur 3 saisons. C'est pas possible. C'est bon, c'est pas un avantage. Allez, je me concentre. Eh, Pierre, pour l'instant, on gâche les deux parties. Hein. On gâche la vie de tout le monde. L'avantage, c'est que c'est équilibré. On gâche tout. Oh, oh quelle chance. Quelle chance. Ouh, rouge. Au dernier avant le bord. C'est fou! Là, on prend un bel avantage.
Elle fait un sans faute. C'est un robot. Oh, il a touché le jaune, heureusement. Allez, je vais essayer de donner quelques jaunes avant de partir pour me rattraper. Je te fais confiance, t'as fait un livre dédié à ça. Que on a participé ensemble, d'ailleurs. Ah ouais, bravo. C'est notre deuxième participation. Oh, encore un échec, on prend. Allez, il a failli aller dans un trou. Pour le mental. Allez, pour le mental, Guillaume. Allez. Merci, maman, de m'avoir acheté des gobelets de beer pong un jour pour m'entraîner. C'est vrai? Oui. Ouais, trop cool, ta main. Oui. Trop sympa. Comment je t'appelle? Pourquoi? Ah, merde. Bon, je vais rattraper direct. Quoique, c'est bien, au moins, on t'enlève les jaunes, c'est bien. Là, on a marqué pour tous les points ratés de Guillaume. On va peut-être arrêter de chercher les jaunes, nous. Hein. Tranquille, propre, voilà. Voilà ! On revient dans la partie. C'est marrant, ces tirs. C'est que t'étais mon youtubeur préféré. Hein. Ouais, je sais. Oh là là, mais à chaque fois, dernier au bord. Oui ! Les deux au bord, c'est incroyable. Ça tourne. Incroyable, ça commence à être mauvais joueur de mon côté. C'est naze. Ah, dans le trou! Je paye pas un coach personnel de basket pour faire de la merde comme ça. Hein. Prêt. Oh oui! Combien de tirs il reste? Dernier, moi j'ai fini, je crois. Allez, je peux pas t'abandonner sur un échec. Je peux pas. Je l'ai fait, moi. Oh non! Mais c'était bien tenté, c'est pas grave. Ninou, je suis désolé. Non, j'ai l'impression que t'as handicapé. Allez, concentre-toi sur les zones où il reste plein de gobelets. Maintenant, ça vaut 3 points et 5 points. 3 points les rouges et 5 points les jaunes maintenant. Bah écoute, j'ai pas été très bon, mais j'ai été meilleur que l'autre. Tu finis le boulot. Il reste 20 tirs. Tu finis le boulot. Ouais. Allez, on va au bout. Allez, commande. Allez là! Allez, Ninou. Allez. J'ai les marmottes. Ninou, dernière ligne droite. C'était une belle aventure. Messieurs, dames, ouah, j'ai vraiment l'impression d'avoir souillé la partie. Il reste 20 tirs chacun. À partir de maintenant, les gobelets rouges et bleus valent 3 points et les jaunes valent 5 points. Ce qui veut dire que tout est remis en question. Bah, il y a 5 points d'écart, c'est un gobelet quoi en gros. Mais toi, tu reviens pas sur le terrain? Non. Bon. Bonne nouvelle pour Ninou. Bah, allez alors. Ninou, à toi. Quelle tension, messieurs, dames? C'est propre. C'est 5 points. Non, 3. Pardon, c'est 3 points. Voilà, ça réagit vite. Oh. C'est risqué, mais ça rentre. Ça rentre, mon Fred. Je m'énerve. Ninou lance sieste. Et non. Aïe, aïe, aïe. Ça rentre pour mon Fred, qui est en train de revenir, là. Qui est bien. Ninou ne sait rien. T'es pas loin. C'est rentré? C'est 3 points. Bombé, ça rentre! Peu de commentaires, juste des mots et des cris. Ouais. C'est animalier. Il y a combien? Il y a 67 à 73. Donc deux gobelets d'écart. Ouais, deux gobelets. Oh non. C'est au milieu. Oh là 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 là! C'est ces Olympiades. C'est ces Olympiades peut-être. C'est ces Olympiades peut-être. Mais non, non, je refuse de croire que Ninou va craquer là-dessus. Je sais qu'elle est forte mentalement. Ça rentre pour Ninou. 3 points, attention, elle revient. Dans le trou. Si Ninou le met, elle revient fortement. Ouais, pas mal. Non. Pourtant, elle a tenté une freddienne. Ah ouais, moi je stresse pour elle. Ouais. Ah, ça, je vois rien à foutre. Oh, il rentre! C'est fou. Je suis pas contre toi, Fred, hein, mais c'est ma poulain. Hein. Pouline? Poulaine? Poulette. Allez, c'est une petite poulette. Petite poupoule. Oh, incroyable! On entend très bien ses bagues en même temps, c'est super agréable. Il tente quelque chose de joli et il le réussit. Je sais pas. Est-ce que c'est le tournant du match? Je ne sais pas. Ninou, il faut que tu commences à viser les jaunes. Sinon, ça va être compliqué. Sauf si Fred rate, mais... Oh, c'est le symbole du match! Tous les points comme ça. Allez, elle reste dans la partie, elle survit dans la partie. 85. 94. Elle enlève son... Oh, oh là là. Est-ce que ça a déconcentré son adversaire? La réponse est non, puisqu'il y aura toujours ce rebord plus intérieur gobelet. Ouais, c'est beau, c'est bien. Ah. Ninou, c'est maintenant. C'est maintenant, Ninou. Elle est main dans le dos, elle engage. Ah, ouais. Ah ben non. C'est juste qu'elle a perdu des colliers.
Pardon, parce que moi je prends du recul sur la situation et ça me fait rire. C'est très très sérieux pour quelque chose de vraiment débile. Alors Fred balance les balles contre les murs, tu seras peinard. Sur le point le plus important du match. Ah mais j'ai pas mon micro du coup. Oh, vu ce que t'as dit dans le... On peut le faire en playback, hein. 88-102. L'écart est creusé. Il reste 4 balles à Ninoul et il y a encore des gobelets qui valent 5 points. Je vais en mettre ma veste que mon micro m'étrangle. Ok. Il reste 3 tirs. Allez. Faut tout donner sur les gobelets jaunes. On sait jamais, on sait jamais. Il est en train de voir sa victoire arriver. Mais il faut finir le match, Fred. Oui, oui, allez. Je pleure bien quand même. Hein. Allez, Ninoul, pour l'honneur, là. Oui. Oh 93-108. Allez, on va faire semblant qu'il y ait du suspense. Come on! On sait jamais, il suffit d'un mauvais retour. Allez, il envoie très loin pour être sûr. Ouais, oui, il rentre. Ninoul, c'est le moment de te lâcher. Allez, pour l'honneur. Ouais, ça rentre! Fred, qu'est-ce qu'il va faire de sa dernière balle? Il va l'envoyer violemment à la gueule de Ninou. Il va la faire rouler comme d'hab et rentrer à terre, hein, c'est tout. Ouais, c'est propre! Et fini! Victoire de Fred! Enfin! Bravo! Enfin! Oh, ouais! Oh, Fred qui l'emporte enfin! Au bout de 3 Olympiades! Pardon, c'est les émotions! Ninou! Quelle Olympiade, quel championnat, quelle performance. Enfin la victoire de Fred. Ah, enfin. On l'applaudit, il y a du monde. Il y avait Alex, Anto, Raven, Alaya, Luan. Il est là Ben ou pas? Fin d'Olympiade, c'est terminé. Bravo encore une fois à Fred. Tout le monde est là. On applaudit aussi Lucas et Loïc qui sont partis, mais ils ont quand même bien joué le jeu. C'était une très belle édition, on a vécu des belles choses. Un gros big up, un gros merci à faire à toute l'équipe technique qui a filmé tout ça sur 2 jours. Geoffrey, Morgane, filmez-vous là un peu, filmez-vous là. Salem là. La prod bien sûr qui a tout préparé, filmez-les là. Filmez-les là. Vanessa. Vanessa que j'ai présentée au hasard d'un cache-cache dans une vidéo dans le cache-cache royal, mais elle est venue, elle a une chaîne YouTube de divertissement et un peu de cuisine aussi. Eh bien, elle a cuisiné pour nous et on l'a montré dans un vlog, donc on a essayé de montrer aussi d'autres talents à travers ses contenus. Et Chloé qui a fait les photos. Merci à tous, merci encore une fois à InnoShield qui nous permet de faire des choses aussi libres parce que c'est vrai qu'ils nous permettent plein de liberté, donc encore une fois, merci à eux. Lien dans la description, c'est encore dispo 48 heures. Si ça vous a plu, un maximum de commentaires pour qu'on relance une saison 4. Et on applaudit encore une fois Fred qui a gagné et c'est terminé. Ciao.